C'est Kyu-chan. Et bien voilà, on est là donc pour mon tout nouveau let's play de RPG. On est donc sur Breath of Fire 3, comme je l'avais annoncé à la fin du Final Fantasy 4. Alors, je vais vous en parler plus en profondeur après, parce qu'en fait ici, il y a une cinématique qui va se lancer, et bah, qu'on ne voit qu'à ce moment-là, et qui est juste avant le jeu. Donc je vous retrouve bah, juste après cette cinématique, et après je vous parle du jeu. A tout de suite. Mine d'Erg. Un dragon? Je n'en sais rien. Eh, hey, viens, c'est un truc précieux. Quand un être magique meurt, son corps se transforme en un minerai connu sous le nom de Chris. Les dragons voulaient détruire le monde. Oui, ils ont mené une guerre totale. Je ne veux pas avoir de dragon. Ouais. De toute façon, ils ont disparu. Même les légendaires dragons qui ont bouleversé le monde avec leur pouvoir ont été transformés à leur mort en une source d'énergie sous forme de Chris. Et même le monstre le plus cruel a fini par mourir comme les autres. Nul ne sait comment ni pourquoi les dragons ont disparu. Cette histoire est dédiée aux dragons. Et voilà, me voilà. Oui, pour ce JRPG, nous serons en facecam. Enfin, je serai en facecam. Alors ici, on rigole plus, parce que là, on est sur mon bébé. Ça, c'est mon JRPG préféré. Vraiment, lui, il est au sommet de ma liste. Il est même au-dessus des Final Fantasy, c'est pour vous dire que c'est vraiment mon préféré, mais vraiment au plus haut point. Donc, Breath of Fire 3, pourquoi le troisième et pas le premier? Bah parce que voilà, c'est le premier que j'ai fait, et je l'ai connu bah, toute jeune, je devais avoir une dizaine d'années ou 12 ans. Alors il est sorti chez nous en 98, si je ne me trompe pas.
Il est en français. C'est un des rares à être en français, puisque sur les 5, on n'en a que 2, à savoir le 3 et le 5. Malheureusement, au niveau traduction, il a eu quelques soucis, donc il y a quelques traductions qui sont assez bancales, mais bon, ça, c'est pas encore trop grave malgré tout. Donc, c'est un RPG, comme je l'ai dit, un JRPG. Hein. Il nous vient du Japon. Comme l'a dit la cinématique, il est dédié aux dragons, donc ça va parler de dragons, vous l'avez compris. Ouais, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus pour l'instant? On va se lancer. Hein. Alors, voici donc Ryu, notre personnage, qui a donc son nom de base, donc on va lui laisser son nom de base. Donc oui, bien sûr, il s'approche pas mal des Final Fantasy parce qu'il a aussi un combat, il a aussi des combats au tour par tour et aléatoires. Mais il y a une petite subtilité, ça vous le verrez en temps voulu. Et donc, on va y aller, hein. On va garder Ryu. Alors, ah, bon, c'est pas grave, je m'occuperai de ça après. Ah, voilà. Donc nous retrouvons nos deux mineurs autour d'un fameux cristal de Chryss. Hein. Et il y a une bestiole à l'intérieur, vous l'avez compris, c'est un dragon. Explosif, ok. Qu'est-ce que c'est? Un œuf ou quoi? On voit très souvent ce genre de choses. Ah, ça fait rien. Allez, remettons-nous au travail. D'accord? Voilà, donc ils ont fait péter le cristal de Chryss et en même temps ils ont libéré le dragon qui est vivant. Qu'est-ce que... Ça vit encore? Que... Quoi? Oh ben c'est charmant! Enfin on t'a rien fait, on vient juste de se réveiller, méchant! Attendez parce que j'ai l'impression que... Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de combat. Donc oui, bien sûr, on est le dragon. Enfin, je sais bien, il fait marquer Drago. C'est parce qu'en fait, apparemment, ils n'avaient pas assez de place pour mettre le N. Je sais pas, pour une lettre, il y aurait sûrement eu moyen de le mettre. Mais bon, vous habituerez rapidement à ce genre de truc parce que le nom des ennemis et tout ça sont quelquefois très abrévés, très abrégés, excusez-moi, parce qu'ils n'avaient pas la place pour tout mettre correctement. Donc, on a donc la fameuse... ce que j'appelle la roue des compétences, si on peut appeler ça comme ça, des actions. Donc celle du milieu, c'est attaquer, tout simplement. Hein. Ça, c'est pour les compétences, donc tout ce qui est magie, attaque spéciale et tout ça. Le bouclier et la défense. Alors, pour moi, ça c'est... Enfin, concentration, mais moi je dirais plutôt observation, parce que vous allez comprendre quand je pourrais le faire, pour l'instant je peux pas. Et ça, c'est les objets. Alors si j'appuie sur R1, je peux faire assaut. Donc c'est en fait, mon personnage va attaquer en boucle. Et ça c'est pour la fuite, donc ça c'est L1. On va tout simplement balancer un souffle petit, allez hop. Donc vous voyez, c'est un jeu, oui d'ailleurs, je joue sur émulateur, mais j'ai le jeu original parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'était encore à l'époque où on pouvait louer les jeux en magasin. Donc je louais ce jeu-là, je l'ai découvert très jeune. Donc voilà, on fouille le cadavre pour trouver une épée liquide, voilà. Je l'ai découvert très jeune ce jeu. Et à l'époque, j'étais incapable de retenir le nom de ce jeu, donc je le cherchais dès que possible quand je pouvais plus l'avoir pour le retrouver. Et il m'a fallu des années pour le retrouver plus tard quand j'étais adulte, pour remettre la main dessus parce qu'il était introuvable. Et donc depuis, je peux vous jurer que ce jeu, c'est mon bébé, je le garde, je ne le revendrai jamais, ça c'est mon trésor. Quand je vous dis que c'est mon préféré, c'est pas pour rien. Donc on constate que c'est un jeu en 3D, hein. Il est assez beau d'ailleurs pour l'époque. Donc évidemment je suis sur émulateur, donc j'ai utilisé quelques filtres pour le lisser un petit peu parce qu'évidemment il est beaucoup moins pixelisé que si j'étais sur une vraie console. Mais il est quand même très beau malgré tout. Alors l'écran de caméra est toujours fixe, sauf que si j'appuie sur L1, je peux bouger ma caméra. Et vous verrez que ce sera utile parce que les développeurs ont été vicieux et ont caché des objets dans les angles morts. Par exemple, voilà, ici, il pourrait très bien y avoir un coffre, un objet caché ici parce que dans l'angle mort, on ne le voit pas, nous. Voilà.
vous verrez ça en temps voulu quand je trouverai vraiment des objets. Gloops. Un dragon vivant. Es-tu un vrai dragon? Bah oui. Il est trop mignon. Le dragon. Ouais. Si tu le dis. Bon. Ah. Je n'ai pas peur. Attrapons-le. Ok. Si vous voulez vous faire griller les miches. Alors, on va faire souffle petit. Oui, je fais souffle petit parce qu'en fait, quoi que je fasse, bah, je pourrais attaquer normalement. Mais dès que je vais recevoir un coup, bah, il va contre-attaquer par souffle petit. C'est automatique en fait. Donc voilà, autant ne pas se casser la tête et le faire direct, ça sent le brûler. Bah oui, en même temps, tu les as cramés. Hop, en voilà deux autres. C'est juste que comme il a que 15 points de vie, bah, autant régler ça vite fait. Qui êtes-vous? Un genre d'esprit? Non. Bon, que vous disiez oui ou non, peu importe, ils vous comprennent pas de toute façon. Donc, c'est un monstre! Ouais. Si tu veux. Hop. Oh, raté! Voilà, mais voyez, même s'il m'a pas touché, je vais me venger en fait. Voilà, c'est pas contre-attaque, c'est venger, on se venge. Mais bon, c'est contre-attaque quoi. Et ici, c'est automatique. À 100%, dès que vous recevez un coup, il va cracher ses flammes. C'est vraiment automatique ici. Ce sera pas automatique par après. Mais ici, dans la mine, vu que c'est le début, c'est automatique. Il a été réveillé et donc il est pas très content. Surtout qu'on l'attaque, donc on l'attaque sur le bord de son avis au pauvre. Donc vu qu'on le menace, bah il se défend. Faut bien qu'il se défende comme il peut. Voilà. Alors voilà, je vais vous montrer ici par exemple l'avantage d'avoir la fameuse caméra qui bouge, c'est que regardez, hop, vous voyez? Bon, c'est une personne, mais ça aurait pu être un objet, vous voyez? Mais comme quoi il y a des objets, des coffres et tout ça, qui vont être cachés dans les angles morts. Et c'est pour ça qu'il faut bien se servir de la caméra et bien fouiller partout. Parce que c'est vrai que visuellement, le personnage, mon petit dragon, il le voit lui, le mineur. Mais moi je le vois pas, puisqu'il est caché par le mur. Qu'est-ce que c'est? J'adore la musique. Il faut chercher de l'aide. Alors je suis très très heureuse de vous faire ce let's play. Parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est mon jeu favori. Mais en plus, j'ai remarqué que sur YouTube, des let's play de ce jeu-là en français, il n'y en a quasiment pas. J'ai dû en trouver que deux en fait. Et encore un seul qui a été fait à fond. Parce qu'il me semble que l'autre, il avait perdu sa sauvegarde. Donc il n'avait jamais fini. Et donc franchement, je me suis dit que j'allais vous le faire découvrir parce que vraiment, c'est un jeu qui est vraiment magnifique pour moi et qui mérite d'être connu, avec la saga entière d'ailleurs. Mais franchement, il mérite d'être connu quoi. Que diriez-vous d'un dragon? Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas moi qui vais le faire connaître puisque j'ai pas énormément d'abonnés. Mais bon, qui sait, peut-être que plus tard j'en aurai plus et qu'ils le découvriront. Oui, c'est ça. Oui, on le veut vivant. Alors. Donc voilà, là on voit qu'ils sont deux, hein, donc il y a lui et celui qui est derrière. Bah écoutez, on va simplement faire un souffle petit, allez hop. Ou pas. Non. Prends ça. Ouch. Oh, il en a profité pour nous balancer un coup de grue. Alors, il faut savoir, petite anecdote, vu que j'ai découvert ce jeu très jeune, j'avais pas compris que c'était un truc scénarisé, et quand j'étais petite, bah, j'essayais toujours de trouver un moyen de zapper le combat pour ne pas me faire avoir, en fait. Et j'étais là, mais je fais non, j'étais passé pour l'autre côté, il m'a pas vu, c'est pas vrai. C'était génial, j'adorais ça. C'était super. Maintenant que j'y pense, c'est ridicule, mais ça me fait rire, en fait. Voilà, donc ils nous ont mis dans une cage et ils nous emmènent loin de la mine. En même temps, on a un peu... Excusez-moi. En même temps, on a un peu dézingué leur copain. On a d'ailleurs de la chance qu'ils ne nous déposent pas sur la place du village. Donc vous imaginez bien que je connais ce jeu par cœur. Hein. Je l'ai fait 20 fois. Je connais vraiment ce jeu par cœur.
Bon, alors là, on pourrait très bien attendre tout tranquillement, mais on arrivera nulle part. Le scénario ne veut pas qu'on arrive à destination. Donc on se contente de marteler la flèche de Mexonel. Et vu qu'ils sont pas assez malins pour accrocher la cage, ben on dégringole. Alors oui, certains me diront, mais pourquoi t'as pas fini Phoenix Wright, il restait une enquête et tout. Ben en fait, j'avais commencé à la tourner, mais le problème c'est que je me suis rendu compte que à un moment donné, pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour pouvoir faire l'enquête, il faut souffler dans le micro. Donc en fait, il faut souffler dans la DS, dans le micro de la DS. Mais comme je joue pas sur DS mais sur émulateur, ben ça marche pas. Et donc je peux pas finir l'enquête en fait. Donc malheureusement, on va rester sur la dernière enquête qu'on avait faite et sur la cinématique de fin, le générique. Mais voilà. C'est pour ça que je n'ai pas fini Phoenix Wright. Mince, je n'aurais pas d'autre chance. Alors lui, c'est un personnage que j'adore, mais que je kiffe d'une force. Non, j'y suis presque. Ah, d'où vient ce bruit? Je crois que je l'aime plus que le personnage principal, en fait, ce personnage. Il est génial. Donc là, on retrouve notre cage. Et un petit garçon. Où est passé le dragon? Bonne question. Bon, maintenant, spoiler ou pas spoiler, pour ceux qui s'y connaissent un peu, Ryu, ça veut dire dragon. Donc en fait, le dragon, c'est nous, quoi. Spoiler ou pas spoiler, c'est tout ce dont j'avais besoin. Ça t'apprendra à me déranger pendant mon repas. Merci beaucoup. À cause de toi, mon repas est fichu. Qui es-tu? Un orphelin, hein? De toute façon, je ne peux rien pour toi. Même si je t'emmenais... Je n'aurais pas assez à manger pour toi. Maman? Très bien, ok, ça va, ok, ok. Oncle Ray t'emmène à la maison. Ouais, voilà le genre d'erreurs de français, de traduction qui sont faites. C'est ici, tu lui dois redevable, tu lui es redevable normalement, mais bon. C'est quelquefois des petits trucs. Mais bon, c'est pas trop grave. On a de la chance qu'il ait été traduit un peu grossièrement. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais tout seul dans la dehors, hein. Et sans aucun vêtement. J'adore cette maison. J'adore leur maison. Je trouve qu'elle est trop classe, quoi. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais elle est géniale, quoi. J'ai jamais compris si elle était creusée dans la montagne ou si c'était du tissu qui était mis autour, en fait. J'ai jamais vraiment compris. Où est Ray? J'ai faim! À mon avis, c'est du tissu, parce que vu qu'on voit bien que c'est en bois, mais bon. Ah, il est revenu. Salut Ray, bienvenue à la maison. Le souper? Mon garçon, tu pourrais tout manger. Pas vrai, Tipo? Qui est-ce? Ne me demande pas. Mettons-le dans ton lit, ok? Alors, qui c'est? Je te l'ai dit. Je ne le connais pas. Je l'ai trouvé dans les bois. Vraiment? Ça ressemble à mon histoire. Un orphelin. Pas étonnant. L'année n'a pas été bonne.
ne laissons pas dormir pendant qu'on va au village. Si on ne trouve pas à manger bientôt, quelqu'un l'a abandonné, tout comme moi. Ouais, donc Ré et Tipo sont orphelins tous les deux, et Ré a recueilli Tipo pour le sauver, quoi. Et apparemment, il nous a recueillis nous aussi. C'est peut-être pas à son avantage, parce que vu qu'apparemment ils ont pas à bouffer, ça va être génial, les pauvres. Alors, tu vois, Ryu, tu as le même destin que moi. Je comprends. Ils sont faibles, pauvres et pitoyables. Ouais, si tu le dis. Je sais pas de qui tu parles, mais oui, si tu le dis. Bah si, je sais de qui il parle, mais bon. On va faire un peu semblant, comme je le fais souvent avec mes Final Fantasy. Oh! C'est quand même bien fait, n'empêche. Hein. Ryu! C'est-à-dire, quand on voit comment ses cheveux bougent et tout, c'est quand même bien fait pour l'époque. Hein. On est en 98, hein, je vous rappelle. Hein. Mon Ryu. Ryu. Oui. Voilà, donc on a Ryu qui se réveille. Et donc, maintenant, je dois avoir le contrôle de mon personnage. Allez, sors du lit, dépêche-toi. Voilà, donc là, j'ai le contrôle. Alors, ce gros livre-là, bah, c'est pour sauvegarder, tout simplement. Alors, donc, nous sommes dans la maison de Ré et Tipo. Tipo, qui est un petit garçon bah, de notre âge, donc il a 6 ans. Parce que Ryu a 6 ans. Ryu et Tipo ont 6 ans, tous les deux. Et Ré est un tigre anthropomorphe. Donc c'est un tigre humanoïde, donc c'est pas un humain avec des oreilles et une queue de tigre, c'est vraiment un tigre. C'est vrai que sur son token, on le voit pas vraiment, mais quand on voit son avatar, on voit qu'il a la peau jaune et des rayures et tout, c'est vraiment un tigre en fait. Et Ré doit avoir 14 ou 16 ans je pense, c'est un adolescent. Je sais bien que son token est grand par rapport aux deux autres, mais c'est pas un adulte, c'est un adolescent. Voilà. Donc vous voyez ici il y avait un objet caché. Donc vous voyez que c'est pas de la vraie 3D. Par exemple si je regarde les arbres comme ça, on voit qu'en fait c'est des lignes mises côte à côte en fait, et c'est qu'une fois qu'on les mis correctement qu'on voit que ça donne un effet 3D. C'est pas de la vraie 3D. Alors ça c'est un monstre. C'est un monstre qu'on peut rencontrer dans des combats aléatoires. Sauf que vu que je suis en pyjama, ici je n'ai pas de combat aléatoire. Donc je peux flâner un peu partout sans m'en prendre l'aile. Et si je reviens après, une fois que j'aurai une armure et une épée, il m'apprendra comment fonctionne le combat. Pareil pour celui-là, même si je ne sais plus trop comment on grimpe vers lui, comment on monte jusqu'à lui. Ah, là, ici, voilà, ici. Je crois que lui, il nous apprend à nous servir des objets. Oh, n'ayez pas peur, je ne vous ferai rien. Je suis un Ayugo. Ah oui, un je sais pas comment on se prononce... Je suis nulle en anglais, je sais même pas comment on prononce ça en fait. Je vais tout vous apprendre sur le combat. Ah ouais, lui il nous apprend le combat. Revenez une fois que vous aurez mis une armure. Voilà, donc voilà, c'est vraiment ça, c'est le tuto en fait. Bon moi je vais pas le faire parce que je sais comment ça marche, donc je vais pas vous gonfler avec le tuto. Je vais juste profiter que justement on n'a pas de combat aléatoire pour récupérer les objets qui sont ici. Il y en a que deux, il y a deux pommes à récupérer. Donc ici, il y avait notre cage, et normalement, hop, voilà, il y a un objet qui est là. Comme quoi ils sont fous, bah ils cachent vraiment dans les angles morts. Oui, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais oui, il y a une faute de frappe à pomme, ils ont écrit pomme avec un seul M. Je vous dis qu'il a été mal traduit, hein. Enfin, pas mal, mais... Si, mal, si, mal. Il a été traduit un peu à la va-vite, en fait, on va dire. Pas qu'il est mal traduit, mais... Voilà, ça n'a pas été fait excellemment, quoi. Mais bon, quand on sait que la version PSP, parce que oui, il existe sur PSP, mais quand on sait qu'elle est ressortie en anglais et pas en français, alors que c'est un des rares qu'on a en français. Donc ici, il y a encore un objet.
une larme. Et oui, c'est normal que les phrases sortent de la bulle, parce que comme il est mal traduit, bah, il est un peu mal fait aussi quelquefois. Donc le dialogue sort parfois de la bulle. Voilà, donc on est sur la carte du monde. Donc il y a trois actions qu'on peut faire. Donc il y a le X pour rentrer. Il y a le triangle pour avoir des informations. Donc voilà, bois de cèdre. D'habitude, il y a beaucoup de gibier, mais pas cette année. Voilà, donc l'année est mauvaise. Et il y a le start pour rentrer dans le camp, mais là je peux pas encore rentrer dans le camp. Alors du bois. Le village où vivent les fermiers du maire du bois. D'accord, ben on va y entrer. Hein. Alors. Oh, excusez-moi, j'ai des frissons, j'ai un peu froid. Ah, ah bah Ré et Coucou sont déjà au travail. Hé hey, vous les gamins! Ah, personne ne peut m'attraper. Ça sert à rien, Ré. Tout le monde nous cherche ici. Personne n'a grand chose à manger. Oui, la mauvaise récolte, etc. Hé, Tipo, regarde donc ça. Alors, tu es enfin réveillé? Réveillé et il a faim en plus. Ça alors, c'est le bouquet. Maintenant, on a une bouche de plus à nourrir. Et alors, tu pourrais nous aider, Ré? Bonne idée. Mais je crois qu'il faut d'abord lui retirer son pyjama. Allez, viens. On va t'équiper comme il faut. Ok. Attendez-moi. Apparemment, ils vont piller l'armurerie. On pourra sans doute à peine voler quelque chose à manger. Mais je pense qu'on pourra rafler des armures et des armes. Ok. On va parler à Tipo alors. Voilà. Attends, Ryu. Ré va t'équiper en un rien de temps. J'ai mon nez qui se touche, c'est toujours comme ça quand je tourne. Et je viens de t'appeler Ryu. Ouais, parce que de parler Ryu, je viens de t'appeler Ryu. Est-ce que c'est ton nom? Oui, bien sûr, on s'en rend compte. Étrange. Où ai-je appris ça? Peut-être l'ai-je rêvé. Oula! Oh oh! Filons d'ici! Oula, je crois que Ré s'est fait choper. Pas choper, pas vraiment, parce qu'il s'est enfui, mais bon. C'était juste pas vrai, Ré. Oui, c'est sûr. Mais on aurait pu lui apporter quelque chose pour s'habiller. Dépêche-toi, Ryu! Ne sois pas si mollasson. Il est mignon. Pas habitué à porter une arme? Alors, c'est mieux qu'un pyjama, non? Que devons-nous faire, Ré? Eh bien, toute la ville est pauvre à cause de la mauvaise récolte. Laissons-nous aller dans la rue, on y trouvera un travail. Enfin, un travail pour eux, c'est voler hein, pour eux, un travail. Un peu plus loin, il y a une route, appelée la route d'Iral. On y va souvent pour voler les gens, voilà, il le dit lui-même. Hein. C'est pas notre genre de blesser les gens. Voler passe encore, mais je ne ferai jamais de mal à quelqu'un. Exact. Même un débutant comme toi peut y arriver. Bon, du calme, laisse-nous passer. Voilà, donc là, notre équipe est au complet. Alors, c'est comme dans FF8, vous voyez qu'ils me suivent. Hein, sauf qu'ils me suivent qu'à partir d'une certaine distance, contrairement à FF8. Là, par exemple, vous voyez, si je fais ça, si je tourne autour d'eux, vu que je suis pas assez loin, eux, ils bougent pas. Ils vont pas commencer à faire comme moi, à tourner en rond et tout. Mais voilà, là, c'est Ré qui est plus près de moi, donc c'est lui qui me suit. Si je pars dans l'autre sens... Voilà, c'est Hippo qui va me suivre parce que c'est lui qui est le plus près. C'est quand même pas mal fait, ça, je trouvais. Alors, on a le bouton d'action. Voilà, avec Ryu, ça me permet de donner un coup d'épée. Parce que je peux changer de personnage, bien sûr. Hop, là, j'ai Ré. Avec Ré, ça fait rien. Et avec Hippo, on donne un coup de pied. Voilà.
Alors, ça peut être utile parce qu'en fait, si on fait ça, parce qu'on peut faire ça sur des, voilà, sur des PNJ, bon là c'est un épouvantail, mais hein, sur des PNJ, et de temps en temps, on peut avoir la chance de leur piquer un peu d'argent. Bon, c'est jamais beaucoup, hein, c'est 1, 2 ou 5 zénis. Donc les zénis, c'est la monnaie du jeu. On a des voleurs, hein, je vous rappelle. Alors, le menu, voilà. Donc le menu, ben, il est comme ça, avec les avatars. Donc vous voyez bien que l'avatar de Ray, il est bien, c'est bien un tigre. Il a la peau jaune, il a des rayures sur le visage et tout. Voilà. Alors on a les objets. Donc les objets principaux. Les armes qui sont ici. Il faudra d'ailleurs que j'équipe les pélicines. Les armures qui sont encore ici. Et tout ce qui est optionnel. Alors. Voilà, comme ça. Alors les capacités. Vous voyez que Ryu, ben, il a guérir. Elles sont divisées en plusieurs trucs. Donc il y a tout ce qui est guérir. Donc ouais, les soins. Aider, je vois pas trop ce que ça... Enfin, je me souviens de tout ce qu'il y a dans aider, en fait. Attaque, donc c'est tout ce qui est un peu capacité offensive et bien sûr magie noire. Et capacité, ben, je crois que les capacités, c'est celle qu'on apprend, en fait. Celle qu'on peut apprendre sur des monstres, voilà. Donc, Ryu, il a guérir. Il y a Rei qui a, voilà, piller. Donc lui, il peut piller, donc c'est une capacité de vol. Et il y a Tipo qui a flamme, donc une magie noire. Voilà, sinon, ils ont rien d'autre. Alors, il y a l'équipement, donc l'équipement, on va donner les pélicides à Ryu. Et les autres, ils ont quoi Voilà, Rei, ok. Et Tipo, ok. D'accord. Bon, on constate quand même que, oui. Ouais, d'accord. Tipo est un peu mieux que Ryu, mais bon, pour enfin, quoi, quand même pas, ils sont tous les deux au même niveau, mais bon. A savoir d'ailleurs que au niveau de l'évolution des personnages, ils vont toujours évoluer de la même façon. Donc, par exemple, quand Ryu va passer niveau 2, il gagnera toujours les mêmes statistiques. Donc si jamais au niveau 2 il gagne 3 PV, bah, vous pouvez faire le jeu 20 fois, il gagnera toujours 3 PV au niveau 2. C'est vraiment statique tout ça. Ça ne change jamais. C'est pas comme dans certains FF où c'est un peu aléatoire, où les trucs se font un peu n'importe comment. N'importe comment, façon de parler, bien sûr. Alors la formation de combat, donc il y a la normale, hein, celle de base. Il y a celle d'attaque qui renforce donc la force physique des personnages, mais qui diminue la défense. Ça, il faut quand même savoir parce que c'est pas forcément indiqué. Et il y a celle de défense, donc c'est l'inverse de l'attaque, elle augmente la défense et diminue l'attaque. Alors le jeu n'est pas compliqué, donc moi je suis jamais resté qu'en normal, j'ai jamais utilisé les deux autres, donc je vois pas l'intérêt. Il y en a sûrement un, mais je m'en suis jamais servi. Alors les tables, ça c'est pour voir les statistiques d'un peu tout le monde, on voit que Rei il est quand même un peu balèze pour son niveau 5, mais en même temps c'est le plus âgé. La configuration, ben ça je vais quand même y retourner parce que j'avais un peu raté mon coup. Voilà, on va mettre ça en... on va mettre le texte au maximum. On va un peu, voilà, hop, hop, ok. Ah ! Voilà, on ne change pas ça. Ça c'est bon, et ça c'est le camp, donc le camp c'est quand on est sur la map. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit comme ça. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 1, comme ça il n'est pas trop long. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé pour dire ça. Ah oui, sur la map, il y a de temps en temps un petit point d'exclamation qui apparaît au-dessus de votre tête. C'est juste une zone de combat en fait, si vous voulez faire du level up. Voilà, c'est une petite zone de combat. Il y a toujours un objet caché quelque part. Il y a toujours un sac avec un objet dedans. Et voilà donc les mobs. Alors concentration, comme je l'ai dit, ça permet d'apprendre une compétence à un ennemi. Donc lui par exemple il a influence. Et influence est une compétence qu'on peut apprendre. Mais apparemment, ça marche pas toujours du premier coup. Quelquefois avec un peu de chance ça peut marcher, quelquefois il faut 20 fois pour l'apprendre. Bon moi je vais pas l'apprendre parce qu'elle sert à rien. Honnêtement, c'est une compétence qui sert à rien. Alors, le lutin-chef, donc le rose, ne fait que influence, et les autres obéissent, en fait. Donc, c'est lui qu'il faut éliminer en premier, parce que si j'élimine les lutins verts avant, bah lui, il va sauver. Et comme c'est lui qui donne le plus d'expérience, ben, on va l'éliminer lui en premier. Mais au mollo avec Ryu, ouais, il a quand même que 15 points de vie. Allez. Oui, on fait aller à... Allez, voilà, lui il est vaincu. Aïe. Ok.
Voilà, vous voyez que comme il n'est plus là, bah, il a attaqué Tipo au lieu d'attaquer Ryu. Alors, vous voyez qu'ici, Rei, il a un X à côté de son nom. C'est un tour extra en fait, parce que Rei est un personnage très rapide pour ce début de jeu. Et donc, de temps en temps, il a droit à un tour bonus. Donc là, vous voyez qu'il est le seul à attaquer. Et qu'en plus, même s'il n'avait pas tué le lutin n'aurait pas attaqué. Parce que c'est vraiment un tour bonus en fait, c'est un tour extra. Oh, un gilet. Un gilet. Qu'est-ce qu'il peut mettre le gilet? Je crois que lui peut mettre le gilet. Ouais, hop, on va lui donner le gilet. Alors, où est-ce qu'il est l'objet? Il est là. Voilà, vous voyez, il y a toujours un objet. Il n'est pas toujours là, il peut être un peu partout. Voilà. Et donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Attendez, je vais peut-être vous montrer le camp d'abord. Comme ça, on va... Comme ça, je vais tout vous montrer. Donc, la prochaine fois, on ira donc ici, la fameuse route d'Hyrale. Donc, voilà. Un des principaux chemins entre Vor et les mines. Il paraît que des voleurs sévissent souvent ici. Voilà, bah, les voleurs, c'est nous. Alors, le camp. Je vais vous montrer, comme ça, ça sera fait. Alors, le camp, c'est un endroit où on peut discuter avec nos personnages. Vous voyez, il y a Tipo qui est là, voilà. Et tu sais tout ce qu'on peut faire dans le camp? On peut se reposer et réparer les PV ou prendre des notes de voyage. Pour en savoir plus, consulte le livre dans la tente. Voilà, en effet, donc voilà, il y a la tente qui est là. Et on a Rei qui est ici. Allez, Rei. Quand tu es en route et qu'il n'y a pas d'auberge, ou si tu es pauvre, tu peux toujours camper dehors, non? Voilà. Et donc, il y a le livre qui est ici. Donc, on peut se reposer, ce qu'on va faire. Profitez bien des musiques aussi quand je ne parle pas, parce que c'est vraiment un jeu qui a des musiques magnifiques, surtout pour l'époque. Des musiques très basées sur le jazz d'ailleurs. Et donc on sauvegarde. Hop, on va sauvegarder. Donc j'ai déjà une sauvegarde, mais en fait c'est la sauvegarde que j'avais fait pour faire mes tests, pour voir si ça fonctionnait. Donc on va rien enregistrer dessus, c'est pas un souci. Allez, voilà. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi honnêtement, c'est un bonheur de revenir sur ce jeu. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais franchement, c'est toujours une redécouverte qui me prend au cœur, parce que j'adore vraiment ce jeu. Certains diront que c'est la nostalgie parce que j'y ai joué quand j'étais gosse. D'autres diront que c'est parce que j'adore les dragons et que ça parle de dragons, mais franchement, je vous dis, je suis une grande fan de Final Fantasy, mais ce jeu-là, pour moi, est vraiment au-dessus de tous. De tous, même de mon préféré FF, c'est vraiment celui-là qui est au sommet de ma liste de JRPG, vraiment. Alors voilà, moi je vous laisse là donc. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook pour vous tenir au courant de tout ce que je fais. N'hésitez pas à venir aussi sur le Facebook de Nekovirus. Et moi je vous dis ciao tout le monde.